Bonjour tout le monde, مرحبا بكم راكم تشوفوا في الشان يوتيوب تاع لو سيت اوتو يوتيليتير. معكم مصطفى زمري باش نديكوفريو اليوم لو نوفو دوستور دوزيام دو نو. مانيش وحدي اليوم، معايا شوقي علاق من ليميسيون اوتو ليميسيون باردون توت اوبسيون. حنا اوتو يوتيليتير توت اوبسيون اللي تجوز في النهار. ذكرني شوقي وقتاش تجوز؟ سامدي 21h30 ان رونديفو اللي ما تغيرش منذ 2012. حنا ندعوكم حنا الناس اليوم يشوفوا لاشين تاعنا باش تروحوا باش تشوفوا ثاني توت اوبسيون تكتشفوا. راح ترافقني انت ايضا في هذا الليستي اللي راح يشوفوه المشاهدين ديالنا دون بروشان رونديفو، راح يجي يشوفوا لافي ديالك على هذا. Tout à fait. Et donc voilà, راح نكتشفوا اليوم، on va découvrir le nouveau Duster هنا في la ville d'Athènes en Grèce. Donc le nouveau Duster, une nouvelle génération. Un design de l'habitacle qui a, il a été redessiné, totalement repensé. Je trouve une nouvelle planche de bord avec des sorties d'aération rondes qui booste le look baroudeur de ce Duster qui est proposé cette fois-ci en 4-2 et 4-4 accouplé à une boîte vitesse automatique EDC, les jets menant le groupe Renault, et puis la boîte à vitesse manuelle à 6 rapports. Autre aspect qui a été retravaillé, c'est l'insonorisation au niveau de l'habitacle, qui m'a chauffé l'épaisseur, les vitres et le revêtement d'une manière générale, les portes, ils ont été retravaillés. Même si il y a des choses qui ont été عزل الصوت كونديكتور، عزل الصوت عن الجانب الخارجي تماما، ما نسمعوش البروي دي موتور، ما نسمعوش البروي دي فون. سا سي ان بوان تري تري بوزيتيف في هذه السياره. يا اوسي الحاجه نسيت نهضر عليها هو الطابلو دو بور، حتى لو ديسان تاع لي كونتور تبدلوا. واش رايك شوقي؟ ايفيكتيفمون بو سويفر اوتوماتيكمون لا مارك، سويفر لي فواتور du groupe, on ne va pas dire que de Dacia uniquement, de Renault aussi, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la voiture Renault. Yani les petites lacunes les canaux au niveau du design, et ils ont été rectifiés encore voilà. Plus, ils ont été très améliorés. Chez le conducteur de Dacia ou l'insan qui expose le Mustafa, il ne sera pas dépaysé. Au contraire, et il sera très à l'aise parce que le confort est là, la robustesse est là et l'agilité est là. On a voulu absolument capitaliser sur l'image du précédent véhicule et essayer d'améliorer chaque élément. Notamment la face avant qu'on a voulu rendre plus large en tirant les phares dans chaque coin et en gardant l'identité vraiment remarquable de la face avant de Duster avec le lien entre la grille et les phares. Vous voyez aussi le clin d'œil dans la grille avec d'autres modèles de la gamme Dacia comme Sandero. Sur le côté de la voiture, on a changé aussi beaucoup de choses. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a remonté la ligne de ceinture de la voiture pour avoir un sentiment de protection plus important. Et puis on a avancé la partie basse du pare-brise d'une centaine de millimètres. Ça donne plus d'espace à l'intérieur de l'habitacle et en vue de côté, on a l'impression que la voiture est plus spacieuse, plus longue, alors qu'elle fait exactement les mêmes dimensions extérieures que le précédent Duster. On a retravaillé beaucoup d'éléments comme les barres de toit ou cet élément qui permet de protéger la porte des projections de la roue. Pour vraiment accentuer son côté franchisseur et 4x4
Et donc la voiture garde toujours toutes ses prestations de franchisseur. في الديزاين تاني في هاد لابيتاك نلقاو هاد لي توش بيانو لي يساعدو الكوندكتور باش يخير كلكو كوموديتي سون كيتي لي روت دي زيو اي دونك عندنا تاني ديتيكتور دونغلومون في هاد لو نوفو داستور لي جات ما كناش نعرفو هاد لوبسيون هاد لوبسيون لي تساعد بيان سور لو كوندكتور باش يشوف يعرف الفيكول كي يدخلو في لو شون دونغلومون تاعو يقدر يحس بالخطر وما يديرش دي ديباسمون دونجورو Et puis, il y a les 4 caméras. Alors, le Storm Zoo, 4 caméras, mais il y a la visibilité. Il y a et notamment qu'il y a un créneau. Je chauffe à peu près, qu'on a une visibilité optimale. Autre nouveauté, le volant a un gainé cuir multifonction. Mais cette fois-ci, il est réglable en hauteur et en profondeur. Voilà, il y a la personnalisation de la position. De conduite ta سائق تاع هاد السياره اي دونك نولو شويه الكومبورتمون تاعو قلت grâce à cette direction variable électrique qui nkunu à l'arrêt ou là في الكرينو elle se montre très maniable hein, très souple ou qui nkunu à une vitesse relativement élevée la direction est précise et le véhicule est très sûr et sobre le comportement terrain.